Yop les potes et bienvenue pour l'épisode 4 de Hard Time. Aujourd'hui plein de choses intéressantes. J'espère que ça vous plaira. Pensez au pouce bleu et à vous abonner encore en masse. N'hésitez pas à aller voir la vue d'énergie 5 qui se trouve en description. En tout cas aujourd'hui, beaucoup de choses au programme, je vais tout vous expliquer. Alors, on a trouvé un moyen d'augmenter un petit peu notre argent. C'est-à-dire qu'on a un silo à la ferme, si je vais dans le garage, qui se trouve ici. C'est l'Arch Silo Facility. Si on le vend, on peut le vendre 394 000 euros. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est ce qu'on va faire avec Marlon. Vous irez voir le code de la vue de Marlon, il le fera. Moi, de mon côté, je vais aller déchaumer les betteraves. Parce qu'en fait, vous nous avez appris que pour le mode saison, il ne fallait pas de betteraves pour les cochons. Alors que moi, dans ma partie de la campagne profonde, j'ai dû mettre des betteraves, il me semble, pour les cochons. C'est ça que je pensais qu'il en fallait. Enfin, bref. Du coup, je vais aller déchaumer. Marlon, derrière, ressemera du maïs. Puisqu'on arrive pile poil vers la fin du semis de maïs. Donc, on peut toujours semer du maïs. Alors, on va se lancer dans les chevaux. Parce que les chevaux, à ce qui paraît, ça rapporte beaucoup. Donc, restez sur la vidéo. Parce qu'à la fin je vais aller nourrir les chevaux, pas les nourrir, aller chercher l'alimentation pour les chevaux, vous montrer un petit peu l'emplacement etc. Et donc voilà, donc vous verrez à la fin à quoi on veut en venir. En tout cas là on est sur un sol de 43 000. Le Marlon va arriver à ma ferme parce que c'est lui qui va semer le maïs. Moi je vais aller déchaumer avec le petit Ford ici qui commence à vraiment bien être crado. Alors sur la partie on a un Karcher mais je sais pas où il est. Hop voilà, ok parfait. Donc bah, je vais juste déchaumer, je vous ferai ça en accéléré, ça y a pas de problème. Par contre le son du jeu je vais juste le mettre un petit peu plus fort. Donc je vais juste aller déchaumer ça. Donc pour le moment on va chercher vraiment à se faire un bon petit business pour ensuite vraiment se lancer dans tout ce qui est cochon et vache. Donc il faut quand même avoir une bonne petite base. C'est pour ça qu'on va se lancer dans les chevaux, ce qui paraît ça rapporte pas mal. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on va commencer à déchaumer. Donc on vous a écouté, on a rajouté plein de beaux modes. Alors il y a le mode GPS qu'on a rajouté. Là j'ai mis le indoor camera. Le indoor camera par exemple, si je veux faire une marche arrière, ben regardez, donc là je suis en vue intérieure, je sors quasiment, regardez je me mets comme ça. Ou alors non c'est vers la gauche, voilà comme ça. Pour avoir vraiment une vue extérieure comme ça. Enfin une vue intérieure mais retournée comme ça. Donc voilà c'est l'indoor caméra. Si j'appuie sur la molette ça me le remet au centre. Donc c'est juste parfait en fait, tout simplement. Allez on va labourer ça, on va déchaumer ça pardon. Donc voilà on vous a écouté, on a mis aussi le mode multi-mission. Parce que vous étiez nombreux à nous dire que il fallait le mettre si on voulait faire plusieurs missions. C'était ce mode là qu'il fallait mettre, donc on vous a écouté. Merci pour tous vos messages, si vous avez des conseils etc, ça se passe en commentaire. Je mets à chaque fois un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre message. Je vais pas trop essayer de déchaumer le blé même si ça va pas être simple. Ah oui d'ailleurs, après que j'ai déchaumé on ira juste pulvériser ici à côté. Puisque les mauvaises herbes commencent vraiment à prendre une forme. Par contre pourquoi il veut pas avancer le tracteur? Voilà merci. Alors on est au premier jour de l'été, donc c'est pour ça. Après je vais vous montrer, je vais faire un Alt S et vous montrer un petit peu comment ça se passe niveau culture. D'ailleurs aussi restez sur la vidéo, bah, je vous dis à chaque fois ça mais voilà. Parce que à la fin on va aller acheter un champ d'avoine. Parce que tout simplement on va se lancer dans les chevaux. Et les chevaux elles vont être à côté de la ferme de Marlon. Mais on s'en occupera tous les deux. Je veux dire il n'y a pas une ferme qui va gérer ça. On s'en occupera juste tous les deux. Et c'est par la suite quand on aura un beau stock d'argent entre guillemets, pas énormément, mais une fois qu'on aura what the fuck ce lag, une fois qu'on aura commencé à se mettre bien, ben on testera tout simplement, on se lancera à ce moment-là dans les vaches et les cochons. Voilà voilà. Donc niveau, si je fais un Alt S par exemple, je vous montre le maïs, vous pouvez encore le semer en 1 et 2. Et l'avoine qu'on comptait acheter, le champ d'avoine qu'on comptait acheter. Donc là par exemple on a le 25-58. Donc lui il va être tout semé. Donc il y aura moitié blé, moitié maïs. Là on a du blé normalement sur notre champ 1 qu'il faudra aller pulvériser aussi. Et le champ 12, bon lui il est un peu mort parce qu'il y a les poules dessus. Derrière nous, moi ce que je voulais acheter c'était le champ 42 à 132 000 balles de l'avoine dessus. Merde, avoine, voilà ici. 142 000 balles. 132 000 balles, mais derrière, voilà, quand Marlon aura vendu le silo et tout, ben on aura quelques trucs d'argent. Alors, pour. Ah oui, mais non, mais justement, je vais aller nourrir les chevaux. Parce que j'avais dit dans la vidéo, ouais, je vais aller acheter les sacs. Ben, je sais pas si on aura le temps que je les nourrisse. Mais j'essaierai d'aller nourrir en vidéo. Parce que avant qu'on ait le champ d'avoine, bah, le champ d'avoine il se récolte quand? Il se récolte fin été. Donc on n'aura pas tout de suite de l'avoine. Donc on va commencer à se lancer dans les chevaux pour déjà quand même avoir une bonne rentrée d'argent. C'est à dire qu'on va les nourrir avec les sacs de manger pour cheval tout simplement. Donc voilà bah, on ira faire ça à la fin. Bon les gars je vous fais ça en accéléré parce que sinon on va jamais avancer. Et puis bon, on se retrouve juste après. We'll be right back.
Ok, re les amis, donc j'ai fini de déchaumer. Ah bah le vlin. Le vlin qu'il arrive, tiens. Il arrive semé, donc c'est parfait. Bah j'ai fini à temps. Hein. Alors ? Ouais, bah c'est un déchaumage plus propre que la dernière fois. Hein. Ouais, bon, sympa, tu m'en as laissé 3 ici pour. Écoute, c'est pour voir un échantillon. Ah, il y en a 3 là-bas aussi, mais c'est pas grave. Non, ça va, il y a que ça, hein. Franchement, j'ai regardé, c'est bon. Ouais, ouais, ça va. Mais je me suis grouillé, parce que regarde le champ de blé, là, il faut que j'aille le pulver, et la vache, il y a plein de. Ah, oui, la vache, ouais. Il est sale, il est sale. Ouais, ok, du coup, je t'ai laissé la fourche à palette et tout par terre. Ouais. Tu feras juste gaffe, j'ai laissé une palette de semences sur le plateau. Donc, ça serait bien de la descendre si tu l'utilises. Ouais, ok, ça va. Et aussi, une dernière chose, c'est qu'on a oublié de s'enlever le. On a oublié de payer les amendes. Ah, oui, c'est vrai, t'avais dit à la fin de la saison. Ouais, on le fera à la fin de l'épisode, du coup, ensemble. Ouais, ouais, ok. Bah ouais, ça marche. Voilà, mairie. Ça marche. Voilà. Et puis voilà. Mais du coup, allez. Moi je continue. Ouais, ouais, vas-y. Allez, à toutes. Ouais, à toutes. Je suis quand même déchaumé ces 3 betteraves, putain, j'avais pas vu. J'étais tout heureux d'avoir fait un semi propre et voilà comment on me remercie, quoi. Putain. Allez, hop. On va lui déchaumer ces trois trucs de betteraves. Bon, tu sais pas pourquoi, mais j'ai des petits frises quand je déchaume. Voilà, et du coup, je dis ça, j'ai fini de déchaumer sa frise. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Regarde, what the fuck? J'ai combien de MS? 40 MS, what the fuck, je comprends pas. Enfin bref, du coup, on va ranger le Ford. Et du coup, il m'a tout amené, c'est parfait. Moi, ce que je vais juste faire à l'heure actuelle. Ah ouais, mais du coup, je vais faire des traces dans le champ, non? Je sais pas du tout si je vais faire des traces dans le champ. Hein. Parce qu'en vrai, on n'a pas de tracteur à Rufine. Et puis derrière, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je loue un pulvé ou pas? Oh purée, c'est galère de reculer là. Le chargeur est là. Ok, c'est parfait. Derrière, je crois que je vais devoir louer un pulvé. Hein. Je vais lui demander, tiens. Parce que je sais plus, on en avait parlé hors vidéo, mais je sais plus ce qu'on avait dit. Hop. Ouais, 10 niveaux pulvé, j'en loue un ou quoi? Ouais, du coup, part sur une location. Hein. Ouais. Bah, niveau du Ford, je sais pas si ça va faire des traces dans le champ. Moi, j'ai pas de pneus fin. Bah, c'est pas grave, tant pis. Hein. Ouais, ok, ça marche. Bah, je vais le louer là. Ok, merci. On va prendre le moins cher, bien évidemment. 30 000 en location, ça vaut 1530. Ça va, c'est raisonnable. Alors, il m'a mis. Il m'a apporté que des palettes de semences. Ok, bon, les gars, on se retrouve bah, du coup au magasin. Je vais prendre tout simplement le pulvé. Enfin, on se retrouve au champ parce que je veux faire un accéléré d'ici jusqu'au magasin et tout. Je vais remplir le pulvé. Ça veut dire que je vais acheter une palette de. Bah, pour remplir le pulvé, tout simplement. Et puis, bah, on ira pulver le blé. Ok, re les amis, donc le pulvé se déplie. Oh putain, je l'ai déplié dans l'arbre. On a mis le mode GPS, mais normalement, Marlon il m'a dit qu'il fallait l'équiper sur le tracteur. Pour le moment, je vais pas vous cacher. Vu que niveau argent c'est pas fou, bah on va pas le faire. Du coup, j'ai pas rempli non plus. Oh putain, mais en vue intérieure, mais il a raison, ça va être full galère en fait. J'ai pas rempli non plus full le pulvé parce que ce que je voulais c'était surtout. On va dire préserver entre guillemets la palette d'herbicides, comme ça qu'on devra repulver quelque part. J'aurais de quoi faire. On va le relever un peu. Normalement c'est en train de me cramer tout le délire là. Ouais, ça devrait aller. Non mais c'est pas facile hein, cette histoire. Ça consomme beaucoup ou quoi? Oh non ça va. Ouais c'est en train de me cramer un peu tous les mauvaises herbes. Il est en train de faire le plein de semences ou quoi? Il fait quoi? Ah il avance le temps, ok. Non mais j'ai eu peur là. Je me disais qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté du tracteur, il bouge plus, il a craché de la partie. Non. Hop, on va se mettre là. Il avance le temps, du coup, premier jour de l'été passé. Il a normalement fini de semer. Oh putain, mais du coup. Oh là 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 là. Ouais. J'espère que c'est bon. Du coup, je ne vois plus rien. Génial. Déjà, c'était pas déjà assez compliqué en vie intérieure. Il fallait encore que ce soit de nuit. Putain, quoi. Non, mais du coup, premier jour de l'été passé. On arrive au deuxième jour de l'été. Bon, vous étiez nombreux à nous dire ouais, c'est trop rapide, machin et tout. C'est vrai que c'est fort rapide, mais c'est un défi à se relever. Je pense qu'il y a moyen de le faire, on va tester en tout cas. Surtout déjà de se faire un bon petit business niveau argent, parce que c'est galère de fou déjà de tout gérer. Et on peut pas commencer à gérer beaucoup d'animaux en même temps pour le moment, puisque déjà on n'a pas l'argent et bah ce serait très compliqué de le faire quoi, tout simplement. Hop, voilà. Bon bah écoutez,
Ça dit quoi? Bah, ça... vu qu'on est en été, le soleil se lève assez tôt, donc ça va. Par contre, j'essaie de pas me prendre l'arbre. Bon, je vais essayer de vraiment tout cramer, comme ça on est bon. Voilà. Je suis un peu en train de tout écraser, hein, mais bon. Je vais laisser comme ça, hein, tant pis. Je vais laisser comme ça parce que sinon je vais trop écraser en fait, c'est ça le problème. Hop, je vais aller voir un petit peu ce que ça dit. Lui, il va tout replier. Ouais, bah écoutez, pas le choix, hein. On va laisser ça comme ça. Là, il y a encore un peu de mauvais arbres, c'est les seuls qui restent. Mais après, je vais trop écraser, j'ai pas envie de tout écraser en fait. Déjà qu'on a pas beaucoup de blé là, bon, bah regardez ce que ça fait, hein. On a pas de roofing, je peux pas me permettre non plus de mettre des roofing, les gars. Sinon, bah vous imaginez bien qu'on a plus de thunes. Si on doit commencer à acheter des roofing et tout, hop, on va se mettre au centre. Voilà, pour couper les feux. C'est parfait, ok. Bon, on va rentrer à la ferme. Ah oui, je dois faire l'autre champ. Est-ce que le champ 1, je vais le faire maintenant? Tant que je suis avec le pulvé, tiens. Ouais, je vais aller le faire maintenant, vous savez quoi? Je vais aller le faire maintenant, je vais aller faire le champ 1. Comme ça, parce que le champ 1, c'est l'autre champ. Vous vous souvenez qu'on a semé in extremis au dernier épisode, là? Bah, c'est celui-là qu'on doit faire. Donc celui-là, il faut absolument que je le déchaume aussi, en fait. Ok. Que je le pulvé aussi. Ok, bah écoutez, les amis, on se retrouve là-bas. Et limite, j'ai mis trop de désherbants, là. Mais en fait, je sais pas, parce que là, tu vois... Vu qu'on a semé, vu qu'on a semé au dernier épisode, il n'y a pas encore de mauvaises herbes poussées, mais est-ce que le fait de pulver, ça empêche peut-être les mauvaises herbes de pousser, je sais pas. Écoutez, de toute façon, tant qu'à faire, il nous reste 780 litres, après on devra quand même délouer le pulver, enfin le remettre, et bah du coup on perdra tout ce qu'il y a dedans, donc autant passer un coup dessus, même si... ça empêche pas de pousser les mauvaises herbes, autant le faire, on sait jamais. Ça tombe, du coup, ça empêche de pousser les mauvaises herbes, et du coup, bah, il y en aura pas beaucoup sur le champ. Mais bon, voilà, on va toujours le tenter. Et du coup, là, ça me fait pas encore de traces, je crois, ça c'est génial, il me semble pas. Ouais, c'est pas encore assez poussé pour que ça me fasse de traces dans le champ, ça c'est cool. What? Mais il se passe quoi là? Ah merde, il y a un piqué là, fuck. Fuck, fuck, fuck. On va juste replier ça, et on va se remettre bien. Hop, voilà. Ok, bah c'est cool, au moins on fait un petit peu de tout, hein, dans la série. On commence vraiment à toucher un petit peu à tout. Et je pense que les futurs épisodes vont être beaucoup mieux, puisque du coup on va commencer normalement à avoir une bonne source de revenus. J'espère commencer à espérer avoir le jour avec 100 000 euros, ce serait bien quand même, hein. Parce que bon, là on est à 37 000, on s'est acheté que dalle, on s'est upgrade que dalle. On est avec les mêmes véhicules depuis je sais pas combien de temps. Enfin, voilà, le but c'est quand même d'arriver à quelque chose d'assez potable, d'avoir pas mal de véhicules, d'avoir aussi un bon cheptel également. Mais bon, on est encore loin, hein. On est qu'au quatrième épisode, c'est normal, mais je veux dire c'est un peu le but de la série, quoi. Hop, voilà. Ok, parfait. Du coup, bah on va aller le remettre au magasin, hein. On va aller le rendre au magasin, j'ai envie de vous dire. Hop, voilà, bon, il reste 600. Ouais, j'ai mis trop dedans, en fait, j'aurais dû mettre quoi, 500 litres? Ouais, j'ai mis quoi, 1000 dedans, ouais. Ok. Hop. La map est quand même assez bien, hein. J'adore la carte, elle est vraiment stylée. Bon les amis, on remet le pulvé. Après derrière, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller avec le Renault commencer à charger des petites palettes de manger pour cheval. Comment ils appellent ça? Nourriture pour chevaux, non? Grand sac. Ah non, c'est les grands sacs d'avoine, ok. Bah c'est ça en fait, c'est juste... En fait c'est ça. C'est ça, le champ qu'on va acheter, c'est ça. Et ce qu'on va récolter, ce sera de l'avoine. Mais bon là, il se vend en sac. 1400 balles le sac, mais derrière, on pourra commencer à nourrir les chevaux. Hop. Voilà, je vais le mettre là. Alors oui, vous peut-être des gens vont penser que les betteraves, on aurait peut-être dû louer une machine et les récolter, mais pour ce qu'il y avait niveau dans dans le champ, ça valait pas la peine. Genre il y avait quoi, un demi champ, je vais dire ça valait pas la peine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant mettre du maïs, que le maïs ça va nous servir, quoi, tout simplement. Donc voilà. Allez hop, on est parti. Bah écoutez les amis, je vous retrouve là-bas. On va s'occuper un petit peu. Oula, je vais pas t'écraser. On va regarder un petit peu avec le Renault. Et puis voilà les amis, à de suite. Ok, re les amis. Donc Marlon vient de me passer un appel. Bon, du coup j'étais en off. Mais il m'a dit, ouais, ce serait peut-être intéressant de les mettre finalement, les roues de traitement par la suite. Parce que c'est vrai que ça nique quand même pas mal de champs. Je suis d'accord avec lui. Après, j'ai pas regardé combien ça coûte de... par roue de traitement en plus. Mais ça doit valoir 1000-1500. Bon, voilà, vous allez dire, pour vous c'est rien. Mais bon, sur 37 000, moins 1000, moins 1000 par-ci, moins 1000 par-là pour de l'herbicide et tout, ça commence à faire beaucoup. Donc, ouais, pourquoi pas par la suite, quand on repulvérisera, bah, je prendrai des roues fines. Parce que c'est vrai que là, ça nique un peu le champ. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Ok. Donc, moi ce que je vais faire, c'est décharger sa palette de semences, parce que j'en ai pas besoin, c'est pour lui, hop,
Voilà, on va se remettre au centre. Ok, parfait. Je vais prendre le Renault. Mon Renault, d'ailleurs, il est où? Il est là. Ah, il a sorti le Renault. Ok, parfait. Remettre. Hop. Ouh là là. Eh, ça fait longtemps que je suis plus monté dedans, en vrai. Hein. Et par contre, là, par contre, je veux bien le son du jeu, hein, les gars, mais calmons-nous, quoi. Ça fait longtemps que je suis plus monté dedans et ça fait plaisir. Bon, je vais remettre le chargeur. Normalement, il m'a apporté une palette parce que, bah, évidemment, enfin, un truc à palette parce qu'il me faut. Il faut que je mette la. Une fourche à palette devant, sinon, bah, ça sert trop à rien. Oh non. Pourquoi il veut pas me le prendre? Allez, prends-le-moi. Ok, les amis, grosse galère pour décharger le chargeur, je vous jure. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop, je joue au joystick, moi. Je sais pas, il était un peu bugué dans. Enfin, je sais pas, il était pas assez haut et du coup, le Renault passait pas. Bon, j'ai quand même réussi au bout de quelques secondes, on va dire. Voilà. Bon. Alors, où il m'a mis la fourche à palette, ça, c'est la vraie question. Ça, c'est trop bien le indoor caméra quand tu tournes comme ça. Hein. Alors, la fourche à palette, il me l'a mise là, c'est parfait. Je vais juste décharger son histoire de semence, hein, comme je vous ai dit, parce que bon, je veux pas m'en aller avec, sinon lui, il se retrouve un petit peu niqué. À moins qu'il ait assez pour finir le champ. Hein. Ah ouais, quoique le soir, il avait déjà des semences dedans, donc je sais même pas s'il a besoin de ses semences en vrai. Ah bon, il a quand même bien fait de les prendre. Hop. Voilà. Donc je vous rappelle encore que, comme à chaque épisode, hein, j'ai encore les commentaires, donc je vous le dis, hein, le manual attaching, on prend pas le risque de le mettre, parce que si jamais un véhicule ne marche pas avec, bah il faudra quand même l'enlever et ça va nous faire perdre du temps pour rien. Et j'en ai déjà eu 2-3 qui marchaient quand je jouais en solo, même sur serveur, j'en ai déjà eu 2-3 qui marchaient pas avec. Attends, par contre, je suis comment, moi? Dans l'autre sens, ah ouais, la palette, génial, quoi. Comment je fais? Moi, je la pousse ou quoi? On va la pousser, hein. Elle s'est mise dans le mauvais sens en fait. Bah je pense que ça, elle a dû bouger, c'est pour ça. Hop. Voilà. Voilà, on va se mettre bien. Je vais la remettre correctement parce que bon là elle est un peu mise n'importe comment. Et puis bah écoutez les amis, moi avec le plateau j'irai acheter des. Oulala, je suis parti en drift. J'irai acheter des grands sacs d'avoine tout simplement pour les chevaux. Les amis, il nous a bien ralasse, donc il a vendu le silo et on va aller le voir 2 minutes, hein, mais il vient de vendre le silo et un autre truc à côté. Donc on a eu des bâtiments vendus, donc plus 440 000 sur la partie, ça fait plaisir. Là, du coup, tu peux acheter vite fait le champ d'avoine avant qu'on change de jour et qu'il soit récolté vite. Exact. Hop, alors je vais le faire. Donc il vient de vendre tout, donc maintenant on a 440 000 qui vont bien évidemment partir en investissement. Donc le champ 42, 130 000 d'investissement. On est bien sûr de l'avoine, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et donc bon, on est parti, on va l'acheter, moins 132 000 déjà. Alright, du coup les amis, on est parti pour acheter les grands sacs. Donc on est sur du 1400 1000 litres. Je pense que je vais en prendre, on va dire déjà 8 là. On va pouvoir se faire plaisir. C'est con, on peut pas mettre le nombre qu'on veut. Ça fait pas mal de farming qu'on réclame ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois il faut acheter un par un. Et c'est assez chiant. Bon, les amis, je vous promets rien. Moi, vue intérieure, alors qu'on voit rien, c'est pas si simple que ça. Ouais, on voit que dalle. Hein. Est-ce qu'avec le capot ouvert, on voit quelque chose? Et en vrai, ouais, je sais pas si on. Ouais, non. On voit encore moins bien avec le capot ouvert. Hop. On va essayer de bien se mettre. Bon, j'ai baissé un peu le son du Renault parce que j'ai l'impression que je sais pas ce que ça a donné. Ça tombe au montage. Je vais me dire, ah ouais, on m'entend pas. Parce que bon, c'est vrai qu'il gueule pas mal. On va sûrement devoir descendre beaucoup de fois. Parce que je sais pas du tout où j'en suis en fait avec la fourche. Là, j'en suis où? Ah, je suis dans le sol, ok. Je me suis dit, où est passée ma fourche? Ah, je suis bugué dans le sol. Excellent. Oh la vache! Non, mais là, j'ai jamais de luck. Entre le plateau qui est collisionné de partout, la fourche qui se plante dans le sol et qui veut plus ressortir. Génial quoi. Non mais là ça va être la grosse galère. Moi je suis pas doué hein pour charger ça. Attends, j'en suis où? Ouais, faut encore baisser un peu. Ah bah voilà, enfin. Ouais, on en a chargé une. Ok,
Une déjà de charge, enfin de prise. Oh purée, mais par contre j'avais oublié à quel point il va partir en couille en fait. Oh 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 oh. Too small to run out. Don't stop. Oh la vache. Ok. Déjà une, parfait. Bon, ouais je pense que 8, je sais pas combien je vais savoir en mettre, mais à mon avis 8 palettes ça fait combien? Ça nous fait déjà ouais, un petit 10-12 000. En sachant qu'il y a 1400 dans chaque palette, ouais, c'est pas mal. Hein. On est bien là, on est bien, on est bien. Hop, et on est bien, ouais, on est bien là. Let's go ça. Par contre, il faut que j'aille doucement ici. Bon, c'est vrai que 1400 en plus sur le petit Renault, c'est pas simple. Hop. Voilà. No! On va essayer quand même de bien les mettre. Ouais. Non, mais j'allais dire voilà, mais non. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Oh, mais... Oh là là, des fois c'est bugué, je comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est bugué à ce point. Enfin bref, on va les pousser comme ça. Voilà. Ok, cool. Bon, si c'est pas bien chargé, tant pis, mais j'essaie de faire au maximum ce que je peux. Hop, voilà. Ah mais il veut les nourrir celui-ci. Bah oui. Il veut nourrir du poney là. Là j'en veux là. Il rigole zéro. Ah attends. Là bon. J'en veux là. Ah là il en veut. T'en as mis combien? 5, 6, 7, 8 du coup? 8 ouais. J'en ai acheté. Ah ouais, ok. Bah je te laisse faire du coup, moi j'achète une faucheuse. Ah t'es parti, ok. Ouais ouais. Ok. D'où bah j'ai voulu couper le petit accéléré pour quand je l'ai vu arriver, je me suis dit il va sûrement vouloir me parler celui-là ou... Donc je pense que je vais rester un petit 8 sacs de... Ouais, 8 sacs d'avoine, ça me semble bien, les petits potes, pas vous le cacher. Ah mais en fait, pour en mettre 8, je vais y aller là. Hop. Donc voilà, c'est bien, on commence vraiment à avancer dans la série, ça fait plaisir de voir quand même l'évolution. Je vous rappelle que là, c'était la merde pendant 3 épisodes, c'est toujours la merde, hein, mais ça va un peu mieux, on commence à voir un petit peu avec quoi avancer, et ça c'est cool. Merci encore une fois pour tous vos conseils les potes, ça c'est grâce à vous. Hein. C'est vrai que je le dis jamais assez mais... Voilà, c'est grâce à vous enfin c'est grâce à vous, oui, c'est grâce à vous si on a mis certains modes, soi-disant, enfin avec ce qu'on a adapté, etc. C'est grâce à vos commentaires aussi parce que c'est vous qui nous aidez également dans la série, vous interagissez beaucoup. Ah il a pris 2. Ah ouais non mais d'accord, avant et arrière. Voilà. Excusez-moi, on n'a pas tous le même temps. Hein, voilà. Allez, il va ralasse le champ en 2 minutes. On va ralasse. Par contre, on est en x5? What the fuck? Moi j'ai rien bougé. Hein. Bah moi non plus? Ah bah attends, j'en mets en x1. Hein. Ah mais je peux pas en plus, je suis pas admin donc what the fuck? Eh ouais, mais c'est moi, mais non. Ouais, mais des fois tu fais pas gaffe et ça se Ah mais attends, j'ai appuyé sur. Ah ouais, mais c'est pas avec le contrôle. What the fuck? Bon bref, attends, ça fait combien de temps qu'on a repris? Ouais, on part ouais. Du principe qu'on arrête à 10. Ouais, okay, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Ouais, ah oui, par contre, j'espère que les chevaux vont pas canner. Bon, oh, c'est pas le prix qui m'a rencontré. Non, okay. En vrai, tu m'as dit quoi? Il y avait pas eu de. Il y a eu un. Enfin, t'avais pas de prix en fait, c'est ça? Il y a pas de prix, et pourtant, genre, je les ai achetés 0€. Et ils valent déjà 400€ chacun. Donc, on va. J'ai dit aux abonnés de définir un prix dans les commentaires, etc. Ah ok, ça va cool. Parce que sinon c'est baisé quoi. Ouais, j'avoue que là sinon... Et là, le prix de l'amende. Les amendes. Ouais. Toi, t'étais à combien d'euros? 300 je crois. 300, moi ça devait être ça aussi, voire 400. Donc ouais, on enlèvera okay. 700. Ouais, ça marche. On enlèvera 700 pour le prochain épisode. Ouais. Bah je finis de charger ça, puis ce sera bon. Ouais, vas-y, bah moi je vais amener ça à la ferme. Ok, cool. Cool. J'avoue que les amendes, il faudrait l'enlever. Bon, j'avoue que les chevaux, c'est un peu cheaté cette histoire là. Ça doit être que sur cette map, hein, à mon avis, que ça. Oh! Il est fou! Mais c'est ouf! Rectification, je ne suis plus à 300, mais à 400 dorénavant. Non! Mais non! En même temps, on me rentre dedans, je voulais voir ce qui se passait. Ouais, c'est ça, ouais.
Ah bah non, ça sera parfait. Et en vrai, si je me démerde bien, il y a moyen que de... Oui, wesh, il y a l'essuie-glace qui marche. Et à mon avis, j'ai dû appuyer sur une touche qu'il fallait pas. Parce que là, me dire que c'est l'essuie-glace qui se déclenche tout seul. Ouais, hein, vite fait, hein. Vite fait, hein. C'est quoi la touche? C'est elle peut-être? Eh non, c'est pas elle. Je sais pas c'est quoi. Bon. Oula. Bon. Ben les amis, je pense qu'on va charger ça, puis ce sera la fin de l'épisode. De toute façon, dans le prochain épisode, ce qu'on devra faire, c'est nourrir les chevaux, tout simplement. Bon, les nourrir, ce serait bien, quoi. Ce serait juste bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc on aura bien chargé le petit plateau, en espérant pas de choc sur la dernière palette. Et puis ça devrait être bon. Si je me démerde bien. Voilà. Bon. Bah voilà, parfait. On est à quelle heure? 17h08, il me reste encore 2 minutes. Je vais aller les accrocher et au moins l'amener à la ferme, comme ça ce sera bon. Ouais, bah franchement, ça nous fait déjà pas mal de litres au niveau des chevaux. Hein. Ça c'est cool. Bon, par contre, il faut que je me démerde bien, il faut pas trop que je fasse de choc. Ok, perfect. Bon bah les amis, on est parti jusqu'à sa ferme et puis ce sera bon. Hein. On aura bien avancé en vrai, hein, en pulvérisation. Ah si, commence à pleuvoir! Ouais, il commence à pleuvoir, bah il était temps. Hein. Il était temps qu'on charge tout ça et qu'on arrête la vidéo. Bon, par contre, pour le prochain épisode, je pense qu'on aura un peu de pluie. Enfin, ah, mais non, quoi qu'on avance le temps d'un jour, du coup, on aura peut-être pas de pluie. Enfin, bref, je sais pas, on verra. On va aller par où? On va aller. Ouais, par là. Ok, cool. Cool. Bah, du coup, ouais, donc je disais pulvérisation, déchaumage, pulvérisation. Derrière, on charge ça. Voilà, ça fait quand même pas mal d'activité et on a bien avancé en tout cas. Bon, bah, c'est parfait. Je suis vraiment content d'un petit peu, on va dire, l'évolution sur cet épisode. On voit que, voilà, là on a 251 000, mais voilà, vous pouvez déjà voir, on a acheté un champ, une faucheuse, je suis pas sûr qu'il a acheté, je pense qu'il a dû louer. Enfin bref, là ça va être les chevaux et tout. Derrière ça va être la galère, ça va redevenir la galère normalement, hein, si tout se passe bien. Mais en tout cas, je suis content qu'on commence vraiment à avancer sur cette série. Donc il faut savoir qu'on est toujours en difficulté. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, mais on est en difficulté difficile. Hein. Donc on est en mode difficile et c'est pas en difficile quand tu vends quelque chose ou quoi. C'est pas la joie quoi. Quand tu vends du blé, t'es content de le vendre à 300 balles la tonne. Allô quoi. Enfin bref. Du coup, vu qu'il est 10, on va s'arrêter là comme je disais. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et bah, on ira charger tout simplement les chevaux. Voilà, la bise les amis. Ciao.